Salut les faisans, bienvenue sur la chaîne de Stuff 76. Et là vous dites waouh, il y a un écran blanc bizarre. Et bien l'écran blanc bizarre, c'est l'écran de présentation de la chaîne YouTube de l'abonné du mois de juillet, à savoir Miss Valkyrie. Donc elle m'a contacté via le Twitter pour que j'aille voir sa chaîne et j'ai vu ce gameplay absolument sidérant sur sa chaîne. Et je lui ai demandé si elle voulait que faire partie donc justement de cette série. Les mes abonnés ont du talent, elle a gentiment accepté de me prêter sa vidéo pour que je puisse vous la commenter. Donc elle est en défense en équipe sur la map Ardat. Et vous allez voir que tout est parfait. Déplacement, intelligence dans le déplacement, changement d'arme. Enfin, elle a été monstrueuse sur cette partie. Vous allez pouvoir le constater tous ensemble. Donc elle a une chaîne qui pour l'instant ne compte pas beaucoup de vidéos, mais les vidéos sont de qualité. Donc je vous invite à aller les voir. Et à vous abonner bien entendu. Elle ne commente pas pour l'instant ses vidéos. Je ne lui ai pas demandé si elle comptait le faire. Tiens, j'aurais peut-être dû. Je pense qu'elle y viendra au bout d'un moment, parce que quand on fait un petit peu des vidéos sur YouTube, on aime bien avoir ses propres mots pour expliquer ce qu'on fait. Mais de toute façon, c'est pas grave, vous allez voir que même ici sans commentaire, c'est pas grave. Ça aurait été de toute façon un beau petit spectacle. Un petit point de chair, voilà. J'ai deux trois petites choses à vous dire, donc je vais vous laisser profiter un petit peu du gameplay. De toute façon, c'est ça le plus sympathique. Donc le 26 juillet. Vous allez avoir la possibilité via donc la chambre du gamer, qui est un site auquel je participe et qui répertorie mes vidéos ainsi que ceux de mes collègues. Ils ont une chaîne YouTube aussi et ils ont décidé de lancer une série de podcasts, et le premier a été enregistré cette semaine, donc jeudi. Et le résultat, vous allez pouvoir l'entendre. C'est un débat sur la série Final Fantasy, donc si ça vous intéresse, eh bien, et que vous voulez entendre un petit peu de stuffery, eh bien, vous allez simplement sur la chaîne YouTube de la chambre du gamer le jeudi 26 à partir de 18h il me semble, et vous allez pouvoir écouter ce podcast. Donc je vous mettrai de toute façon tous les liens en bas de la description. Donc il y a évidemment mes collègues de la Full Gamer Zone, à savoir Nasband et Adresse qui participent aussi à ce podcast, et ceux de la Snipe Corp, et là c'était Snipe Eagle je pense qui était là pour eux, et Shinze qui est le patron de la chambre du gamer.fr. Donc tous ces liens-là, vous les retrouverez de toute façon dans la description, ne paniquez pas, ne prenez pas votre bloc-notes et votre bic pour vite tout noter, c'est pas la peine. Deuxième chose, je pars en vacances du 1er au 15 août, et là vous dites, ouais, super, j'en ai rien à branler, et c'est bien normal, c'est juste pour vous dire que voilà, je ne serai pas là pendant deux semaines, mais, j'ai déjà enregistré les vidéos pour que vous puissiez en avoir, donc pour l'instant il y en aura 3, peut-être 4, on verra si j'ai un peu le temps de faire la quatrième. Je les ai faites avec Chichuer avant la vidéo, donc vous pouvez déjà vous dire que ça va se passer d'office dans la bonne humeur. Et de fait, ça s'est passé dans la bonne humeur, comme vous allez pouvoir le constater quand vous verrez les vidéos. Donc je ne serai pas là, mais Studio va débloquer les vidéos et vous allez pouvoir y avoir accès. Donc comme ça, vous ne serez pas complètement privé de votre petit stuff. Vous pourrez vous en mettre toujours une petite rasade derrière la cravate. Voilà. Alors on revient un petit peu au gameplay. Donc vous avez vu qu'elle, pour l'instant, elle n'est pas encore morte. Hein. Elle fait collection de killstreak, puisqu'elle a fait ses prédateurs. Je crois qu'elle a volé Dash, Achis et Pablo, il me semble, si je dis pas de conneries. Vous avez vu qu'elle change régulièrement d'arme, hein, parce qu'elle a forcément un tombe à sec, je pense. Je ne sais plus quelle atout elle a, je me demande si elle a pas pris pillard, je crois pas. Alors que là, elle fait un bon gros triple au prédateur qui fait toujours plaisir. Donc c'est un mode de jeu qui est propice, hein, pour ce genre de délire, donc de faire des doubles, des triples, parce que forcément, au bout d'un moment, tout le monde est agglutiné au même endroit. Et donc si vous avez un petit prédateur qui traîne, c'est la fête. Mais vous pouvez constater que elle bouge, elle ne tient pas simplement une zone de la carte. Vous avez vu qu'elle était un peu partout. Bon, ici, elle a tendance à rester un petit peu dans la même vers la fin. Mais on n'est clairement pas dans ce qu'on pourrait appeler camper. On est vraiment à 150 millions de kilomètres de là. Mais vous voyez qu'elle est très mobile, qu'elle va aux endroits réguliers où les gens ne la voient pas arriver. Donc c'est-à-dire par exemple ici, ils viennent du haut, donc ils ne la voient pas arriver. Et elle est déjà dans la pensée de descendre le mec qui va passer la porte. Donc c'est vraiment un gameplay, c'est pratiquement une leçon, hein, sur cette map. Vraiment au final, j'ai vraiment pas peur de le dire. Et pourtant je sais que j'ai des années de Call of derrière moi. Mais voilà encore un changement d'arme ici. Elle a extrêmement bien joué le coup. Franchement extrêmement, vous verrez le score à la fin, c'est un truc de malade. Là, le petit campeur habituel qui fait plaisir. Elle a son Pavlo pour bien faire chez les gens. Vous avez vu qu'elle lance son AHX en même temps que son Pavlo. Donc simplement ça c'est pour un peu piner les ferrailleurs, comme ça ils savent pas tout démonter. Sur la AHX c'est quand même pas toujours évident de mettre un Stinger ou un Javelin. Le Pavlo je pense qu'il en faut deux si je dis pas de conneries. Donc forcément en lançant les deux, elle a beaucoup plus de chances aussi
d'avoir ces hélicos qui tiennent le coup. Voilà, on va arriver déjà à la fin du gameplay, donc je vous invite vraiment à aller sur sa chaîne, à aller voir, à aller la soutenir. Soyez très solidaires entre vous, si vous avez une petite chaîne YouTube et tout, c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de monde sur YouTube, donc n'oubliez pas de vous filer des coups de main. J'essaie vraiment de vous montrer l'exemple en filant des coups de main un peu à tout le monde, donc faites-le aussi, même à des plus petits YouTubeurs. Ce sera toujours une bonne chose de faite. Donc voilà, on va voir son score. Si vous n'avez pas eu le temps de faire la compta des morts, eh bien il y en a eu 51. Donc 51-0, je pense que la petite dame elle a géré, comme on dit chez moi. Voilà. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire, un petit pouce, de vous abonner si jamais ça vous a plu. Allez voir les chaînes des autres youtubeurs que je vais vous proposer dans la description, ça vaut vraiment le coup. Et ça vous permettra aussi de voir d'autres choses aussi, c'est pas mal. Et n'oubliez pas que vous, moi, lui et surtout lui, on est tous des faisans. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Salut!